Et bonsoir tout le monde, ou rebonjour. On va terminer cet après-midi en continuant Mafia Définitive Édition. Et ensuite, on s'arrêtera aux alentours de 20h-20h15 pour aller voir Kappa. Et après le live de Kappa, vers minuit et quart, minuit et demi, on recontinuera. Qu'est-ce qu'on foutait à la banque déjà? C'est bizarre que je me sois arrêté en plein milieu de la mission quand même. Le directeur est sympa, il coopère. Tout le monde obéit gentiment. Pas vrai, mon pote? Allez, tu descends. Allez, avance. Vous vous en tirerez pas comme ça. Ça finit toujours mal. Occupe-toi de ton fille, tu veux. Si tu veux voir ta fille grandir, tu gardes bien les mains en évidence. Et tu dis au gardien de faire pareil. Quand on arrive près du gardien, tu lui dis de lâcher son arme. Digé? Capiche? Écoute-moi, attentivement. Tu vas bien lentement poser ton... Il a voulu jouer au con, mais ben il l'a eu dans le fion. Bon.
les flics sont là. On se tire. Prends le flic, on s'arrache. Mais allez, pour être heureux. Eh, hey, Russ, live, ça y est, t'as eu tes pompes? Bon, tu montes dans la bagnole, toi? Ben, quand tu veux, hein! Bah, vas-y, prends ton temps, vas-y, prends ton temps! Bah, roule, roule, tu mets 3 heures à monter dans la bagnole, il est con, lui! Bon, c'est plus calme, je vais pouvoir lire ton message. Bah, l'essentiel, c'est que tu sois bien dans tes pompes, hein, comme on dit. Hop, en mettant le limiteur, je peux rester appuyé tranquillou sans me faire repérer des keufs.
Rien n'arrête Hitler? C'est ça, j'imagine. C'est la période. On y est presque, Tom. On a presque réussi. Tout est dans le presque. On a vraiment réussi quand mon cœur aura retrouvé un rythme normal. Ouais, mais tu le feras pas. Et voilà, comme dirait John Connor, argent facile. Putain, je le crois pas, on a réussi. On est riche. On est dans les as. Allez, on avance. Faut qu'on y aille. On se voit demain. Sauf si je suis déjà, ouais. Allez, je déconne. Sans toi, tu ne seras pas arrêté, j'en suis sûr. Rentre-toi. Fais la fête avec Sarah. Viens chez moi demain matin, on partagera le truc. Ouais, ça marche. Fais gaffe à toi. À plus tard, mon pote. Et puis voilà, Jésus est finalement ressuscité. J'étais pas loin d'appeler les secours. Désolé. J'ai du mal à m'endormir. Ouais, moi aussi. Et t'arrêtais pas de tourner et de retourner. Ah ouais? Ah bah j'ai peut-être bien fait du coup de déjà télécharger le 2. Bon, qu'est-ce qui te prend? Je me sens ma chance. Ça, tu peux le dire, champion. Ah ouais? Ça, c'est nouveau. Je suis seul et j'irai bien à la mer avec toi, d'habitude. T'es sérieux? Et ton boulot? Poli et moi, on a trouvé un tuyau. Ah. Un de ces plans pourris a finalement donné quelque chose. Ouais, on peut dire ça. Faut parler d'affaires. Ouais, ouais. Je suis poli et je reviens le chercher. Un plan pourri, ouais. Braquer une banque. Vous êtes tous un couple à Osas et vous pouvez se mettre ouvert quelques jours. Sauf ça louche. À quoi ça sert de faire des fric si on ne va pas le dépenser? C'est pas ça. Tu te sens pas en place. Même quand t'es immobile. Ouais, il y a un truc qui te rend mal. Et le pire, c'est que tu sais pas encore ce que c'est. Ouais, ça doit être ça. Je serais bien de trouver ce que c'est avant de venir chez Poli. Surtout si c'est vous qui te rend nerveux comme ça. Non, c'est pas Poli. Ça fait pas pour ça. Bon, alors à tout à l'heure. Par contre, attends, tu dis que j'arrive bientôt à la fin, pourtant je suis loin d'avoir trop. J'ai que 31% de la collection de trucs à trouver, quoi, c'est. Chelou ça. Après, il y a une carte qui indique les trucs où on peut récupérer tous les collectibles ou.
Ouais, non, mais pas tant que ça, parce que à chaque mission, j'ai toujours regardé dans tous les coins. Ah, bien sûr, pas quand on roule, je vais pas m'arrêter tous les 2 mètres quand on roule, quoi, mais... Ouais, je sais bien, ouais. Enfin bon. Attends, il y a un truc bleu là, il y a un autre truc à récupérer là. Voilà. Toi, à chaque fois, ça l'indique sur la carte quand tu passes à côté d'un truc, donc les trois font la paire. Ah, ils savent bien compter en plus. Y a quoi par là? La porte de sortie normale? D'accord. Ouais, mais s'il faut que je ratisse la carte en allant au ralenti pour attendre que ça l'affiche dans une des maisons, c'est pas très pratique, quoi. Parce que contrairement en plus à un open world classique où tu vas chercher des missions à droite à gauche, là c'est tout le jeu est très linéaire quoi, t'enchaînes les missions, voilà. Ouais. Ouais, je dirais, honnêtement, c'est pas ma priorité si je les ai pas tous, hein. Je veux d'abord vivre l'histoire entièrement, pleinement. Si c'est comme dans le 3, je pense. Oui, mais c'est dans le 3, c'est des magazines. D'un certain genre, on va dire. Créé par un certain Hugues Hefner, quoi, par exemple. Ah, dans le 2, c'est pareil. Cool. Il y a des chances que je sois plus motivé, ouais, du coup. Il est con, lui, ou...
vue dessus a fait un boucan pas possible. Ouais, encore. Je sais pas pourquoi je sens que ça va pas. Ça... Ouais, j'ai senti venir le truc. Oh, avec une balle dans la tête, il te répondra plus, hein. Ah bah oui, forcément, l'argent, elle allait plus être là, hein. Il est mort. Il est mort. Il est devant moi. Peut-être qu'on ne peut pas vaincre. Oh merde. Je voulais l'appeler pour le prévenir. Le prévenir de quoi? Putain les gars. Tous les deux vous m'avez sauvé la vie plus d'une fois. Le prévenir de quoi, Sam? Salieri. Il est au courant pour le hold-up. T'es dans la merde, Tom. Mets des voiles. D'accord. Ok, je vais avoir besoin de fric pour foutre le camp avec les filles, tu pourras me dépanner? Bien sûr, tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux que je vienne chez Polly? Non. Non, je peux pas attendre ici. On peut peut-être... On peut se retrouver au musée. Bon, d'accord. Dis gaffe à toi, Tom. Vous êtes très vite. Et merci, Sam. J'honore toujours mes têtes. Il n'y a rien plus haut. Adieu Polly. Ah bah si, il y a un truc là. Hop. Ah bah y'a. Il n'y a plus d'autres étages. Ok.
pas, Tom. Salut, Tom. Sam. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Toi et Polly, vous m'avez mis dans une position merdique. Je sais ça. J'en suis vraiment désolé, mais je me tire de la ville. Tu vas m'aider ou pas? Et voilà, ça recommence. Tu me demandes de choisir entre mes potes et la famille. C'est ça que tu cherchais à l'appartement de Polly. C'est ta part. C'est plus que généreux. T'as tué Polly? Non. Ce compte Polly s'est fait tuer. Et ça a vraiment l'air de foutre en l'air. J'ai de bonne humeur, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Les choses se présentent bien entre moi et Don. Je prends du galon. Et en plus, je viens de trouver un sac plein de fric. Le Don est au courant pour ça. Et pour la pute aussi. La pute. La fille pour qui t'avais un faible, c'est toi qui l'as laissé vivre. Je dois te dire que je suis désolé pour tout ça. Mais dans notre business, il y a des règles. C'est vraiment dommage. Don, salut. Assez dommage. Assez dommage. Je t'aimais beaucoup. On va beaucoup chialer, lui et moi, tu finiras. En obéissant aux Don, tu crois que t'es loyal. Mais tu l'es pas. Mais je suis loyal. Peut-être. Mais t'aurais vécu bien plus longtemps, Tom, si t'avais pensé à regarder derrière toi de temps en temps. Adieu. Ne faites pas souffrir, les gars. Mon pote. Ah bah c'est pas moi qui vais souffrir, c'est eux. Tu te le gardes ton molotov. Merde. Ils sont où? Ils sont plus haut ou quoi? Hein, ils doivent être plus haut. Ah non. Parle pour toi.
Alors l'autre il a un fusil à pompe, il tire pas. Bien fait pour sa gueule. Hop, le magazine. Ils font chier avec leur molotov. Mais je vais crever. Bon moment, ce truc-là. Putain. Ouais, mais ça, c'est à la place d'un flingue, ça, le loup para, c'est à la place du flingue. Eh ouais, merde. C'est vrai, qu'est-ce qu'on se marre. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Mais il faut combien de balles pour crever à lui hein? Honnêtement, je l'ai touché plusieurs fois, je pense. Hein.
encore un autre là-bas. Il veut pas crever, hein? Putain, enculé! Putain, mais il y en a un, il avait une mitraillette là! Pourquoi j'ai pas de munitions de mitraillette? Ah bah voilà. Ah mais putain. Il s'est pas collé au mur, j'ai dit de se coller au mur, il s'est pas collé. Bah non, je tirais pas dans le mur, ça me marquait qu'il était touché à chaque fois. C'est bizarre. Ah, j'espère que ça me remémote de tout le début du musée, quoi, hein, parce que c'est chiant. Tu vois. Ouais, bah ça me remet loin quand même. Bon, sauf que l'avantage, c'est que ça m'a rechargé en munitions. Mais quand ils veulent, hein. Non, ils veulent pas. Ah putain. Oh putain. Ben là, il les prend pas dans le bide, peut-être les balles. Ah bah je savais bien qu'il y en avait un qui avait des munitions de mitraillette. Ramasser le corps, ouais, ça va vachement m'aider. Bon alors, pas faire la même erreur. Là, tu te colles bien. Là. T'as du bol, Tom. Mais ce qui est bien avec le trafic de drogue, c'est qu'on peut se payer plein de types. Butez-le, les gars. Thank you.
Ça, j'aime bien quand t'es... J'aime bien quand ils sont sur le point de lancer le molotov et boum. Ouais, ben là, il est parti de quel côté c'est pareil. J'ai l'impression. Ben, non, il est parti de ce côté, j'ai l'impression, avec les traces de sang. Ouais. Ça, je crois pas. Enfin, tu l'as déjà fait, mais... Voilà. Et toi, t'es dans le cercueil jusqu'au bout. Cette fois, il n'y aura pas de docteur pour toi, ça. Tu me tues maintenant, le docteur ne te lâchera pas. Jusqu'à la fin de ta putain de vie. Si tu me laisses vivre, je dirai à ce Yannick que t'es mort. Tu pourras disparaître. Comme Franck. Ah ouais, c'est ce que t'as dit à Polly aussi. Seulement tu feras pas comme ça, tu resteras planqué. D'accord. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Se planquer en Europe. Ce crétin. Il a commencé à parler dans des courses de l'ouvrier. S'est fait repérer par un ami de la famille. Et donc, Salieri... Il a envoyé une équipe. Et sa famille. Adieu, Sam. Ça, j'ai senti que c'est le coup allait partir. Bon, bah j'imagine que ça va être le tour du Don maintenant, non? Je veux bien aider ta... Je peux rien faire si t'es pas prêt à témoigner devant le juge. Tu comprends ce que je veux te dire? Faudra que tu sois assis dans le box à regarder droit dans les yeux Salieri. Ralphie, Vinny, et peut-être même le père de Sarah. Je pense pas que tu sois prêt à faire ça en toute honnêteté. Serait le nécessaire. Il faut que vous donniez à ma famille de nouvelles identités et qu'ils partent très loin d'ici. Oh, attends, c'est pas parce qu'on n'a pas poté ici, toi et moi, qu'on peut mettre Sarah à l'abri en un claquement de doigts. Alors je suis désolé de t'avoir fait perdre ton temps et le mien. Il faut que je disparaisse. Tom, attends. Moi aussi, j'ai une famille. Une femme. Et 4 gosses.
toute une portée. Donc je comprends parfaitement ta situation. Je sais, tu te ronges du sang pour eux. T'as peur que l'un d'entre eux crève avant toi. Mais cette affaire, ce sera sûrement le coup de filet du siècle, si tu jamais vis. Ça pourrait s'étaler sur des années, et je sais pas si je peux vous protéger aussi longtemps. Tu sais comment ça se passe en ville. Faut bien bouffer, pas vrai? Même les flics fait pour. Je préfère être honnête. Il y a quelques flics de confiance dans le centre, mais pas beaucoup. Et si je dois choisir entre toi et moi pour prendre une balle, j'ai pas prévu de faire de ma femme une veuve. Et te garder en vie n'est pas tout en haut de ma liste, mais... je vais essayer. Pas mal ton petit discours. T'essayes de me faire avaler que t'as rien à gagner dans l'affaire. Mais c'est toute ta carrière qui se joue. Quelle que soit l'issue pour moi, que je vive ou pas. Toi, tu seras le flic qui a bouclé l'affaire Morello et coincé un d'homme. Ça y est, tu seras ton profil. On va pas croire que tu me connais, Tom. Sally Ann mérite que tu me rends tôle et je veux bien t'aider pour que tu m'aides à le foutre à l'ombre. Ça s'arrête là. Lorsqu'il arrive. Ah oui, effectivement, on est vraiment pas loin de la fin, quoi. Pardon. Dans une autre vie, quelqu'un m'a dit un jour que la famille, c'était un talon d'Achille. Le point faible d'un homme. Il avait peut-être raison. Parce que tout ce que j'ai fait dans ma vie, en bien comme en mal, je l'ai fait pour ma famille. J'ai trahi des gens que je pensais être mes amis. J'ai honoré des promesses très durables. J'ai passé 8 ans à être seul. J'ai essayé de me trouver pour que mon retour, je sois un meilleur mari, un meilleur père, un homme meilleur. Maintenant que je suis plus âgé et un petit peu plus sage, je comprends que la famille, c'est notre plus grande faiblesse. Mais c'est aussi notre plus grande force. C'est elle qui nous fait sortir du lit le matin. C'est elle qui nous fait rêver, même quand ses rêves sont insaisissables. Et c'est elle qui nous permet de tenir bon quand on n'arrive plus à avancer. Monsieur Angelo? Oui. Monsieur Salieri vous envoie ses amitiés. Ça va aller. Vous êtes à l'abri. Vous êtes tous à l'abri. Vous savez, l'argent, le boulot, même les meilleurs amis, ça va, ça vient. Mais la famille, c'est pour l'éternité. Quelque part, c'était prévisible.
dans ce milieu-là. J'ai vraiment bien fait de l'avoir téléchargé le 2 tout à l'heure. Mais je pensais pas quand même le finir plus rapidement que Tear Away and Folded. Ouais, il paraît. Moi, j'avais bien aimé le faire, mais bon, j'avais pas fait les deux d'avant, hein, donc je pouvais pas me rendre compte, quoi. Le 3, il se passe au retour du Vietnam, du soldat. Les bagnoles de l'époque, j'aimais bien, quoi, par exemple. Fin années 60, début années 70, quoi. Hey, coucou Yulva, comment ça va?
Ça va mieux la santé? J'espère, en tout cas. Ah, tu sais quoi, j'y ai pensé un peu au Covid en fait. Le fait que ça traînait comme ça ton truc, je me suis demandé, tiens. Ouais, il paraît que c'est un des symptômes, ça, la gueusie. Non, bah c'est l'essentiel si tu vas mieux. C'est l'essentiel. Tu m'étonnes. J'ai jamais eu ça, mais j'espère pas te choper ce truc là un jour. Moi qui aime bien bouffer. Ah, c'est clair. Ah là, et t'imagines ça, on boirait une triple carmélite, ça on aurait l'impression de boire de la flotte. Ah oh, une bonne bière, merde. Couche-toi, Gizmo. Couche-toi.
Et Kubib, il t'a dit que t'allais récupérer ça dans combien de temps? Le goût et, et l'odorat? Bah, j'espère pour toi que ça sera une semaine, hein. L'horreur, t'imagines 3 ans? Oh là là. Je suis sûr que ça c'est un coup de comme j'aime le Covid. Régime spécial. Vous voulez vraiment maigrir? Choper le Covid. Bon, il se termine le générique là que je passe au Mafia 2 là. Bon bah l'eau qui change pas. Ça c'est pas. Mais toutes les autres types de boissons, toute la bouffe, bah. Ah, tu vois, t'as parié un jour que je mangerai jamais de champignons, et bah hop, t'as vu? Regarde juste ce que c'est ça. Bon, je reste si je fais ça. Bon ben les enfants là, je relance un live dans 2 minutes avec Mafia 2 quoi. Hein? A tout de suite. A priori, sans bouger, ça devrait être bon pour vous, je pense. Voilà. A tout de suite.